PV Nova, Cyrus North, on est back dans ton bac. Je n'en ai pas cure, je vise l'exquise ataraxie pour m'apaiser. Place au calme, à la quiétude de ma pensée. Pas d'orgie à tout va, je classifie mes désirs. Élimine ce qui est vain, je simplifie mes plaisirs. Je garde juste le naturel et le nécessaire. Seulement des plaisirs sains que je peux satisfaire. Je suis matérialiste, mais je suis pas dans le paraître. Je l'ai écrit à mes naissés, tu n'as pas lu ma lettre. Pas de lubie complexe, mon but n'est pas de jouir. Simplement d'être en vie, voilà de quoi se réjouir. Ça commence bien. Attends, j'en ai un autre, écoute. Mon nom c'est Spinoza, c'est moi Baruch, le baroque. J'suis pas Barak comme Barakuda, ni Rikiki comme Kirikou. Attends, bébé, tu comparais de sa philosophie ou juste faire des jeux de mots sur son nom? Tu te permets que je... Bah oui, vas-y. Famille portugaise, juif, issu de dame. Depuis le 17ème, j'roule sur les deux dames. Père, mère, frère, petit j'ai tout perdu. Chassé, lynché, rogné de ma commune. J'ai passé ma vie à écrire l'éthique. Pourtant pas de flic. Mon lit plein de tics, mais je suis pas pathétique, non, c'est pas une fiction. Je rappe malgré mes malédictions. Je ne crois pas au libre arbitre, on est déterminé. Sur un terrain miné, cause-conséquence est terminée. Intelligence, la volonté qu'on a tous. Attends, je t'ai déjà parlé du Conatus. C'est l'effort de persévérer dans son être. Tout est contingent, aurait pu ne pas être. Sauf Dieu, la nature, qui est nécessité. C'est déjà la fin de mon 16. Et c'est si tout. Moi c'est Jean-Paul, le communiste parisien. Je rappe pas comme Sean Paul, représente le quartier latin. Faut valoriser l'humain pour qu'il s'épanouisse. Et ouais, je suis ton copain, je suis un humaniste. Allons à l'essentiel, je suis existentialiste. L'existence précède l'essence, c'est noté en haut de ma liste. L'homme est condamné à être libre d'écrire son destin. Mais il faut toujours trancher, aucun choix n'est anodin. Alors c'est sympa hein, mais c'est un petit peu old school quoi. Comment ça? Bah, vieille école. Je sais ce que ça veut dire, mais où est-ce que tu veux en venir? Bah, les jeunes aujourd'hui, ils écoutent plus trop ce genre d'instru, quoi. Ah oui, mais en même temps, les jeunes aujourd'hui, ils écoutent de la trap avec de l'autotune. Tu veux quand même pas qu'on... Non. Je débarque de l'Allemagne du 18ème. C'est moi, papa, la pensée qu'ancienne. Séquentielle est ma doctrine. Droite et franche, elle vous fascine. Emmanuel est mon prénom. Écorche-le, je t'assassine. J'ai vécu à Königsberg, là-bas été comme hiver. Quand ne sort pas car quand il se perd, toujours solo, jamais je sers. Je critique la raison pure, que puis-je savoir? Je critique la raison pratique, que puis-je faire? Dieu a fixé les règles de la mortalité. Vieux, j'ai fixé celle de la moralité. Universalité, nécessité. Y'a que ça de vrai. 7 plus 5 égale 12. La vérité, pas de fake news. J'enchaîne la raison pratique. A priori, changement de tactique. Mais pas d'hypothétique. Impératif catégorique. C'est vrai que c'est pas mal hein. Vas-y, je vais partir en mode QLF, que la philosophie. J'imagine que tu veux dire QLP. Quoi? Y a-t-il un dieu? J'en fais le pari. Je peux pas te le prouver. Crois-moi sur parole. Car si vous gagnez, vous gagnez tout. Tout, 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 tout. Et si vous perdez, vous ne perdez rien. Rien, 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 rien. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ici le cœur, c'est la foi, c'est pas l'amour. Gros bêta, moi je veux du calme. Calme, calme. Il t'a traité de gros bêta. Calme, calme, calme. Faut pas abuser, faut pas abuser du divertissement, du divertissement. Un détournement, une fuite en avant, une fuite en avant. Esquiver les problèmes ne fait pas de nous des gens meilleurs. On a tous en nous une part de mort et de malheur. Tout le malheur des hommes, ouais 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 ouais, vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos. Non, 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 dans une chambre, dans une chambre. Demeurer au repos, tu l'as déjà dit. Non, 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 dans une chambre, ça aussi, dans une chambre. Dans une chambre. Cyrus. C'est ma chambre. Allô, Cyrus. Chambre à moi. Oui, Cyrus. Mickey, mais sois pas trop à la peine.
centaine. J'ai traversé des galaxies et j'en ai vu des étoiles. Mais jamais une souris avec des gants et un caleçon. On m'appelle Super Mario, le King de Nintendo. Faut vraiment être désespéré pour se mettre avec les journaux. T'es qu'un combat, je t'éclate. Vous touchez mes étoiles, un conseil, arrête de te balader à moitié au roi. Oh, bonjour les amis, c'est moi, Mickey. Vous voulez venir voir mon nouvelle maison? Non, je déconne. Venez plutôt voir qui est ce que je vais niquer. Un plombier italien, un moustache, lui qui pèse une tonne. Super Mario, quel arrogant, j'étais là à ta naissance. Je peux pas casser l'ambiance, mais c'est l'heure de la Mickey Dance. J'ai une villa, mon nom, une villa de lutte, pas d'attraction, une carrière au cinéma. Alors laisse-moi rire. J'ai souffert dans mes jeux, mais toi c'est pareil. Quand tu t'es piqué, Mickey, pas la taille de tes oreilles. Bon, ça ne fait pas fier, pas le fier. Rappelle-moi qui est ton ennemi, ah oui, patibulaire. Prends un champignon, grandis un peu dans ta tête. Trop d'un petit sophiche et tu te l'es pas encore fait. Tiens, voici 100 pièces pour t'acheter une nouvelle vie. La tienne est tellement ratée que tout le monde préfère Luigi. Mamma mia. Alors attends, il est où le son du jeu? C'est écrit dans le Picsou Magazine. Ta gueule, je préfère écouter de moi, mec. Tu bouffes des fleurs, je crois que t'es complètement malade. Retourne faire du ski au JO avec Sonic. Je suis dans Kingdom Hearts. Yes, voilà ce que j'ai des pics. Alors là, normalement, le son il est bon. Là. Oui. Oui, je sais que j'ai le pouvoir, oui. J'ai le pouvoir sur vous ce soir, sur ce stream. Très bien. Bienvenue dans ce Café MKTV. Bienvenue dans ce Café MKTV. Alors, chose incroyable, il n'y a pas grand monde dans le magasin en ce moment. Enfin, dans le magasin. Dans le café plutôt. C'est pas, enfin, ouais, si c'est un magasin quelque part, mais. Voilà, je ne sais pas, la commu n'est pas présente. Bon, ça va sûrement arriver au fur et à mesure. Je me mets à l'aise au niveau de mes manches parce que c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Bon, je vais baisser le son du PC. Si jamais le son du jeu est trop fort, bah, dites-le moi, je ne peux pas vraiment vous le demander vu que vous n'êtes pas là, mais... Mais pour vous du futur qui arriverait. Alors oui, c'est vrai. On en était, on était dans le parc là. Bah c'est là, non? Non, c'est pas là du tout. Oh là là, attends, mais le mec. Non mais moi d'une semaine à l'autre, je vous jure, j'oublie tout quoi. Pokémon Uranium. Ah c'était là. Ça y est. Non, ça y est, c'est bon. C'est bon, j'ai retrouvé. Il me fallait un petit peu... Non, pas du tout. Putain. Ah oui, oui, bien sûr. Je fais tellement pas honneur à ce jeu qui est vraiment incroyable, hein, en vrai. Hein. Genre, enfin, niveau inventivité, tout ça... Le jeu est incroyable. Mais c'est juste moi qui suis pas bon à me souvenir d'où faut aller. Mais je me souviens très bien où c'est, mais je me souviens plus comment y aller. Ah, mais non, mais si, à moins que ce soit par là. Allô? Putain, les OST sont vraiment cool. Voilà, toi, je t'ai pas affronté. Très bien. Hey, dresseur, mes Pokémon veulent t'affronter. Bah, super. Bah, tiens. Et si moi, je veux pas? Il se passe comment? Là, on est en train de se faire... On est en train de se faire forcer la main. Enfin, c'est vrai que ma team, elle était pas en très très bon surlevel. Hein. Elle est pas en surlevel du tout, quoi. Aïe. Regarde-moi ça, c'est pas très efficace, mais ça me fait bien mal. Bon, tiens, voilà, le statique du cul, hop là, éclair. Bah, super. Super, super, on va peut-être pas trop jouer au malin. Pas commencer à jouer au malin, hein. Ouais, vas-y, je vais mettre Archil. Oh, son cri, quoi. Et voilà, t'es paralysé, mon coco. Hop, roue de feu. Ah non, oh non, le bâtard, putain. Il a trouvé l'astuce pour pour contrer la paralysie et me faire mal quand même. Aïe, ça fait mal. Très bien. Oui, c'est l'oiseau, ça, non? Pincerelle. Avec son cri incroyable. Vraiment fou, son cri. Celui qui a développé ça, chapeau. Aïe.
Au revoir, monsieur. Alors, glimaçon. C'est quoi, c'est un truc glace, non? Oui. Alors après, est-ce qu'il est que glace, ça, je me sais. D'accord. Air glaciaire. Trop drôle, cette attaque. Par contre, c'est pas cool que ma vitesse diminue. Oh, par contre, s'il me tue à... Non, c'est bon. Je suis quand même plus rapide, faut pas déconner. On a battu Vanessa. Waouh, t'es balèze. Mais je sais, ma pote. J'allais dire mon pote, mais... Attends, c'est trop bien, cette table. C'est ce qu'on trouve sur les aires de pique-nique, là. Quand tu veux te mettre quand tu veux te mettre bien. Quand tu veux te mettre trop bien, que tu veux faire une pause sur les aires d'autoroute. Truc, c'est que je sais même pas si je suis dans la bonne direction. Ah non, parce que... Oui, voilà, je suis en train de retourner par là, mais c'est pas du tout le bon bail, ça. Enfin, en fait, on va faire une espèce de boucle. Ce qui n'est pas... ce qui n'est pas sans savoir, pas mon problème. Oh, des œufs de Yoshi! Elle contient bulle, 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 bulle. Salut minuscule, ça va? Mais pourquoi il y a des œufs de Yoshi ici? Ils ont pas compris que les œufs de Pokémon, ça a pas des gueules de Yoshi. Ah oui, ok, c'est la pension, très bien. Bon, écoutez, monsieur, dame... Non, merci. Ça ne m'intéresse que très peu. Ça va, The Minuscule? Bon, j'avais des ouais, ça va. J'avais des sujets à aborder, mais bon, comme il y avait encore personne, j'allais pas parler dans le vide. Oui, voilà, c'est ça. Et on revient ici. Ok, j'ai compris la boucle qu'on vient de faire. Donc, effectivement, c'était bien pas par là qu'il fallait aller. Donc, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Ah, salut Zodiac, ça va? Ça y est, les gens arrivent. Je vais pouvoir parler des sujets. Éboulement. Oh, bah, très bien, ça, très très bien. Bon, j'ai déjà un poké qui a éboulement, mais... sait-on jamais. Bonjour. Ah, oh, j'aime un combat relaxant sous le rayon de soleil. Super. La meuf pas relou du tout. Ah, c'est une aromathérapeuse. Je vais y arriver. On va appeler Fanny Ardent. Hop. Oh, mais pourquoi les bitrates ils baissent dès que les gens ils arrivent là? C'est pas bien. Rebondis feu. Ché! Son cri du chétan là. Encore un doudouvé. Ça va plusieurs jours que la wifi marche que sur mon PC. Et la Switch est encore maintenant. Et encore maintenant. La bug aussi, j'ai... Oula! Quelle horreur! Par contre, pourquoi mon live il bug là? Attends, c'est chiant par contre parce que si t'es pas sur la fenêtre, le jeu il continue pas d'avancer. Ce qui fait que tu peux pas te dire ouais, bon machin, je vais regarder un truc pendant que. Pendant que le jeu continue. Forfait d'hiver. Mais tout le monde est maudit ce soir, tu penses? Tiens. Oh mon cher. Bon, du coup, faut clairement retourner là-bas, hein, dans la ville. Hein. Un indien dans la ville. Mais ouais, ce soir, ça se bouscule pas. Je sais pas si les gens sont trop occupés ou si... si dans leur tête, c'est impossible du cul que je stream le dimanche. En vrai, autrement que le week-end, je voulais dire. En vrai, je me suis fait un petit... une petite... Alors, comment on appelle ça? Une cure? Bah non, parce que la cure, c'est quand tu te prives de la chose, justement. Donc, c'est quoi le contraire de cure? Non, en gros, je me suis...
bourré le cerveau à Twitch ces derniers temps. En général, je traîne pas de ouf sur... Enfin, je... Hormis quand quelqu'un que je kiffe de ouf stream un truc que je kiffe de ouf, en général, je traîne pas trop sur Twitch. Mais là... Là, je me suis un peu bougé parce que en fait, j'étais abonné à quasiment personne. Et genre, j'ai pas du tout ce réflexe de follow les gens. Alors que bah, c'est quand même cool parce que du coup, quand tu vas sur Twitch, bah, t'as ton programme un peu comme une télé, quoi. T'as ton programme télé. Enfin, tu vois qui est en train de faire quoi en ce moment même. Donc c'est assez cool. Enfin, quand t'as que deux, quand tu follow que deux gens, c'est pas ouf. Mais quand tu commences à en avoir pas mal en follow, c'est cool. Tu vas continuer ton voyage, on se reverra bientôt. Ah oui, d'accord, donc en fait, oui. Donc en fait, oui, il faut que je continue mon voyage. Le voyage Pokéfion, continue. L'aventure continue, comme dirait le narrateur. Mais alors du coup, faut que j'aille où une carte. Oui, voilà, faut que j'aille par là, peut-être, vous pensez. Site du tournoi. Ah oui, non, c'est vrai qu'ici, il y a la ligue. Donc faut aller au nord, peut-être. Oh, on va essayer d'aller... Ouais, mais comment j'y vais, moi, au nord? Non mais attends, mais je suis paumé. Je suis paumé du cul. Est-ce que mon rival, il va me dire un truc? Hey Moketo, on dirait que t'as fini Daily Ranger. Je vais rester à voir Légende pour en faire... Je pense, j'ai chopé la CS Force à un type bizarre dans la maison, là. Quand tu auras force, tu devras retourner à haut, à bureau, l'entrain. Oula! Oh là là là, mais attends, mais il est en train de me dire trop de choses là. Il est en train de me dire trop de choses. Tu dois toujours battre Sheldon. Mais il m'a dit tellement de choses. Il me dit tellement de choses. J'ai rien compris moi. Enfin, moi je suis pas du tout familiarisé avec les noms de cette région. Il m'a dit ouais, va là-bas pour bouger ça, près de la forêt machin, pour aller au village machin. Mais d'abord, il te faut le badge machin pour machin. C'est pas dit, non, j'ai jamais dit qu'on ferait un after Code Lyoko Evolution. Ah, mais c'est douloureux. Mais non, j'ai pas prévu ça. Je sais pas. Non, mais en vrai, si vous vous endormez devant, c'est pas drôle, quoi. Mais est-ce que c'est ici le badge pixel? Putain, mais je suis vraiment le roi des sacs à merde. Central, mais... Ah, c'est pas là qu'il faut... Oh là là là. Et moi, je vois rien qui ressemble à une arène ici. Il m'a dit quoi? Je vais rentrer à Fort Légende. Je vais rester à Fort Légende. J'ai chopé la CS4 Force à un type bizarre dans la maison là. Dans la maison là. Mais attends, ça se trouve, je l'ai déjà le... Ça se trouve, je l'ai déjà. La CS, je me souviens plus ce que je fais. Oui, j'ai Force. Ok, très bien. Donc, alors, Force, c'est fait. Donc, il me dit... Quand tu auras force, tu devras retourner à Burol. Tu devras retourner à Burol en train de bouger. En train. Ah, en train. D'accord. Ok. Oui, parce que j'étais en train de me dire, mais attends, mais on n'a pas vol, c'est un peu chiant ça. Ça va, c'est pas cher les billets. En fait, mon gars, j'ai beaucoup ri quand j'ai vu le vidéo opening. J'ai mis. Ah oui, j'ai vu. Mais non, mais en même temps, tu vois, est-ce que tu vois du coup l'importance de ne pas faire de faute?
quelquefois, parce qu'il y a du misunderstanding. T'aurais mis un S à mes Pookie, ce qui est la vraie orthographe. Je n'aurais jamais pensé que mes Pookie, c'était pas... Tu vois, moi je me suis pas posé de questions. Je mets quoi comme pseudo? Tu me mets Pookie. Bah, je me dis, bah, ok. Mais je me suis pas dit, mais j'ai pas du tout compris que c'était du verbe mettre, parce que le verbe mettre avec juste M-E-T, ça n'existe pas. Du coup, ça m'a grave perturbé, et du coup, j'ai absolument pas tilté que c'était un verbe. Non. Oh putain. Si, c'est bon. Oh putain, j'allais mettre une destination au pif. Bon, après, les tickets sont pas hyper hyper chers, mais ça m'aurait fait chier, quoi. Bah non, c'est pas pareil, parce que la preuve, j'ai pas du tout tilté que c'était un verbe. Je suis pas... I am not a lucarne, mais je ne suis pas un attardé. Genre, t'aurais mis un S, mais j'aurais tout de suite pigé que c'était pas un pseudo. Oui, bonjour madame. Est-ce que vous pouvez me m'indiquer... Attends. Non. Oh là là, mais je fais n'importe quoi. Alors, en fait, il m'a dit, dans la forêt, je sais pas quoi, là, qu'il fallait utiliser force. Attends, bah, c'est simple, en fait, il suffit de regarder la map. Oh, putain. Il suffit de regarder la map et voir où est-ce que Bourmoki. Ce nom, il me fait tellement rire. Non, mais c'est pas là qu'il faut aller. Enfin, je pense pas. Il m'a dit près de la forêt, là, non? Ah, c'est là! Donc, en fait, faut remonter vers l'est et... Ok. Ça, c'est l'arène. Donc, c'est pas là qu'il faut aller. Oui. Non mais ouais, du coup j'ai fini, j'ai enfin fini. Les opening awards. Ah, c'était bien cool à faire, mais qu'est-ce que ça m'a fatigué. Enfin, ça m'a pris un temps de fou. Et j'ai enfin pu reprendre l'écriture maintenant que j'avais fini. Putain, mais je sais même pas si je suis dans la bonne direction. Je suis vraiment Zoro hein, dans ce jeu, c'est terrible. Hein. J'ai aucun sens de l'orientation dans ce jeu. C'est affligeant. Bah voilà, où est-ce que je suis là en fait? Pourquoi là? Mais pourquoi je suis nulle part dans le monde? Comment j'arrive à être nulle part dans la map? Je me suis mis où? Genre, c'est terrible. Ok, je suis encore nulle part. Donc en fait... Je sais pas. Non mais ça, c'est terrible. J'ai l'impression d'être dans One Piece dans... Merde, comment il s'appelle? Unlimited machin là, non. World Seeker. J'ai l'impression d'être dans World Seeker où quand t'incarnes Zoro... La map, elle fait n'importe quoi pour te perturber encore plus et pour t'imprégner du personnage. Mais là, c'est pareil. Genre déjà, de base, je suis perdu. Mais alors, si en plus, la map, elle m'aide pas du tout à me repérer, mais on fait comment? J'ai pas envie de mourir. Non, mais je pense... Mais... Parce que... Il y a que deux sorties, on est d'accord. Si je vais en bas, c'est forcément le mauvais chemin. Mais non, mais ça doit être par là.
Il y a quoi par là? Oui, non, c'est forcément par là. La map, elle est possédée, mais je pense que c'est par là qu'il faut aller. Au fait, tu refais quand les cafés tirés? Bah, à la base, je compte reprendre les cafés normaux, machin, quand on a fini Uranium, je rappelle. À la base, je voulais d'abord faire tout Uranium et après, on reprenait les émissions. Aïe, aïe, aïe. Petit oh oh. Oh, je vais pouvoir le book avec l'énergie. Je suis enfin plus en sous-level. Putain, je sais pas ce qui se passe ce soir, mais il y a absolument personne, quoi. Je pense que les gens, ils ont des occupations un petit peu... comment dire? Ah oui, c'est là qu'il faut aller! Oh là là. Alors, on va apprendre force à quelqu'un. Oh bah, croison. Parce que toi, t'es... On ne va pas dire ce qu'il ne faut pas dire, mais bon, on sait ce qu'on pense. Bah, à cause de... À la place des crasses farces, allons-y. Je bois un petit peu. Alors, quoi? La forêt tropicale de Baïkal est dangereuse. Ils n'ont même pas l'électricité à Feuilly. Oh, est-ce que c'est... est-ce que ça va être un... Merde, comment il s'appelle? Un Clément... non... La ville là où ils sont dans les arbres, là, à Owen. Je vais pas la polluer, ta forêt, calme-toi. Oups. Par contre, je trouve un peu embêtant que parfois le jeu nous dit que l'on n'est pas d'apprendre. Quoi? Ah, pas apte à prendre une nouvelle DLC. Bah, c'est parce que... Non, mais c'est parce que bah, les Pokémon n'ont pas tous les mêmes types. Enfin, c'est normal. Si tous les Pokémon pouvaient apprendre toutes les attaques, ça n'aurait aucun sens. Simtronel, voilà, merci. Allez, gato gozai master. Mais si on va dans un village où ils vivent dans une forêt et qu'il n'y a même pas d'électricité, ça va faire un peu ça, quoi, tu vois. Oh, deux Béchoco. Oula. Oula, mais ça fait peur. Oula. Ah bah oui, là, on est vraiment l'impression d'être dans un autre monde, effectivement. L'ombre. Je me souviens plus si... Éclair, c'est efficace contre les... Oh là là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cuvette. Ouais. Non, mais ouais, du coup, j'espère que ça vous aura plu, les The Worlds. Après, c'est sûr que, bah, comme attendu, hein, ça allait être... Ça allait être forcément...
pas mal de shonen. Vu que bah, c'est quand même les openings qui, les plus populaires et puis qui ont les meilleurs flows. Enfin, c'est plus rare un opening qui te marque de fou sur des seinen ou sur des shoujo ou des trucs un peu slice of life. Il y en a, hein, je dis pas, hein, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus rare, quoi. Aïe. Non, arrêtez, plus d'assai. Cuvette. Oui, c'est ce que je dis dans ma critique de Gintama d'ailleurs, mais je suis pas sûr qu'ils ont tout sur Crunchyroll. J'avais lu quelque part que qu'ils avaient que à partir du 200. À partir de quand ça passe en 16/9, un truc comme ça. Je crois, je sais plus. Chef-d'œuvre Gintama. Oui, voilà, oui, non, je voulais parler du Crunchyroll français. Je parlais du Crunchyroll, je voulais, en anglais, c'est sûr, ils ont tout. Mais le Crunchyroll français, je suis pas sûr. Putain, il m'a tué mon main. Oh, le bâtard. J'ai été touché deux fois, piqûre, aïe. Oh là là là, mais on n'est pas sorti de la merde. Mais d'où tu me fais aussi mal, espèce d'enculé? Ah oui, c'est qu'il y a la pluie. Mais je vais tellement mourir dans cette forêt. Ah. Effectivement, c'est pas le bon bail s'il n'y a pas tout. C'est pas le bon bail. Quel chef-d'œuvre Gintama, putain. Oh là là. Aïe 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 aïe. J'ai quelques tomes de Gintama que j'avais acheté à mes passages à Paris. Mais je les lis pas parce que j'ai envie de les avoir en réserve en mode. Si à un moment j'ai un petit coup de mou ou quoi, ou une folle envie de retourner, bah j'aurai de quoi lire. Par contre, j'aimerais bien peut-être aller me soigner un peu. Ah ouais, mais ça va être loin. Comment dire que la première dresseuse m'a mis en PLS? Comment vous dire ça? Mais... ça me tue comment elle bouge la pierre, on dirait littéralement que c'est un ballon de foot, quoi. La boîte a l'air très lourde dans votre pierre. Bonjour. Objet pierre foudre. C'est la deuxième pierre foudre que je trouve en un épisode, c'est quand même bizarre. Ah bon ? Partez sans risque. Qu'est-ce que c'est relou, quoi. Tout ça pour aller me soigner. Putain, mais toujours plus loin, quoi. Il y a des gens mais ils parlent pas. Attends, aujourd'hui je suis tombé sur
suis tombé pour la première fois sur un live. Comment définir ça? Je sais même pas si c'est un nom, cette façon de faire. Mais c'est un avatar virtuel. Enfin, c'est un. Oui, c'est forcément virtuel, mais c'est une animation qui bouge en fonction des mouvements de bouche et de visage de la personne qui stream, en fait. Enfin, du coup, la personne, tu la vois pas. C'est juste la. C'est un avatar, en fait, qui bouge, un avatar 3D un peu à la Miku, des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, je suis tombé sur le stream d'une meuf qui faisait ça. C'était très très perturbant. Non mais t'excuse pas, The Minuscule, ne t'en fais pas. Mais non, je voyais qu'il y a des gens dans le chat, mais qui, enfin dans les spectateurs, mais qui ne parlent pas. Face Rig, ah d'accord, je savais pas que je connais pas le nom. Mais bah du coup voilà, je suis tombé sur ça. C'était marrant. C'est très perturbant. Ça te donne un peu l'impression de parler à Illita, tu vois, genre. Genre t'as un être en 3D qui te regarde, qui te parle. Oh, il est trop drôle! Nympholan. Oh. Il est marrant. J'adore ses gros yeux. Je savais ouais, que ça marchait beaucoup au Japon. Je crois que j'avais vu une vidéo de comment il s'appelle de Louis-San qui en parlait. Mais là c'est sûr c'est une meuf. Hein, parce que... enfin Je la connais oui et non, mais je sais ce qu'elle fait à côté. Et putain! Est-ce que j'essaie de le capturer? Je ne sais pas. Pour le fun. Mais il me fait trop rire ce Pokémon. Oh putain, j'ai tellement pas de bol quoi. J'ai. Yes. Nympholan, le Pokémon nymph. Ils vivent dans des lieux boueux ou des marais malgré leur lenteur et faiblesse sans combat. Leur mâchoire n'est pas à sous-estimer. C'est vrai qu'il a l'air très mignon, pas forcément agressif. Enfin, il a un corps agressif, mais il a une tête mignonne, du coup, c'est un délire. Encore un ferro-singe. Je voudrais réfléchir aussi à un moyen de recevoir un peu des dons, enfin des trucs comme ça. Tout simplement parce que je m'investis pas mal en fait dans ce que je fais, dans mes vidéos, mes streams et tout. Enfin, c'est surtout ouais hein, par rapport à ma série que j'aimerais faire, j'aimerais bien réussir à me mettre de côté et pas c'est surtout pour ça ouais. Mais putain, attends, faut que je change de. Ouais, c'est surtout par rapport à ma série que j'aimerais bien me faire un peu de sous de côté pour aider et tout pour le projet quand ça se lancera. Et puis voilà, du coup, faudra que je réfléchisse. Oh putain, il m'a fait mal.
Mais il a pas d'attaque. Oh putain. Oh là là, mes croisons quoi. J'ai envie de lui mettre mon autre piaf hein. En vrai. Je me suis dit mais non mais attends, il va apprendre des attaques haut. J'ai toujours voulu savoir. Ben quoi donc. Mais du coup ouais, faudrait que je remette un bouton don. Même que 1€, c'est déjà tellement. 1€, 50 centimes. N'importe quoi, tu vois, c'est déjà tellement généreux. Enfin, y a pas, pour moi, il y a tellement pas de petits dons ou quoi. De base, tu vois, c'est généreux et ça. Aïe. Du coup, ouais, faudrait que je réfléchisse. Il y a Utip aussi, mais je sais pas si Utip ça marcherait bien. Si les gens feraient la démarche. Enfin, j'en ai pas, mais je connais le concept. Mais ouais, je pense que ce serait intéressant, quoi, parce que c'est vrai que, bah, mine de rien, je taffe beaucoup, quoi. Et gratuitement. Du coup, imagine si l'argent des dons pouvait faire un transfert vers sa carte bancaire pour juste d'avoir une espèce. Bah, c'est ce que tu peux faire, oui. Enfin, à partir du moment où tu fais un don, ça va sur ton compte. Et ce qui est sur ton compte, c'est sur ta carte. Et ce qui est sur ta carte, tu peux le mettre en liquide. Enfin. Putain, mais c'est sombre, je vais me perdre. Déjà que je me perds quand c'est clair. Mais alors, s'il fait sombre, on est foutu. Oh! Galicotl. Il est trop mignon. Mais c'est quoi comme type ça? C'est un oiseau? Oui, c'est un piaf. Mais c'est quoi ce qui... C'est une... J'ai du mal à comprendre ce Pokémon. Qui es-tu? Oh là là. Oh non! Mais non! J'aurais dû. Je voulais. J'aurais dû. Enfin, de toute façon, j'ai plus rien. Ah, d'accord, Yorose, je savais pas. La majorité des streamers disent qu'ils reçoivent sur leur compte PayPal. Bah oui, mais PayPal, c'est. PayPal, après, ça se transfère sur le compte bancaire, oui. Bah, sinon, comment tu dépenses ton argent si ça reste sur PayPal? Perdu. Je kifferais faire des lives création, mais j'ai rien à créer. À la tristesse de cette phrase. Mais non, mais c'est vrai, en vrai, je trouve ça trop cool les lives chill. Genre, ce soir, j'étais sur le stream de. Attends, j'ai des super potions, oui. J'étais sur le stream de Cyprien et tout, il dessinait, c'était trop cool. Mais le truc, c'est que... moi, le seul truc à la limite créatif que je fais en ce moment, c'est écrire. Et j'ai pas envie de vous spoiler, en fait, ce que je fais. Enfin, du coup, voilà, j'ai envie de faire des live créations, mais je sais... Oh là là, il est bizarre, ce Pokémon. Donc, c'est toute la tristesse du moment. Merci à tous. J'espère que vous avez kiffé la tristesse de ce moment.
Meurs dans ta chiasse. Oh, mes coups critiques, putain. Oh, les coups critiques inutiles, c'est tellement chiant. Ouais, ouais, je sais, ouais, j'ai vu. Oublier une attaque tranche. Bah, contre griffe, hein. Techniquement, tranche, c'est griffe en mieux, en bien mieux. Mais ouais, j'ai vu ce qu'ils ont fait. J'ai eu le malheur aussi l'autre jour de regarder Magla, Pindé, Jill et je sais plus qui jouait à Mario Party 7. Oh là là, mais c'était tellement... Oh, il est bizarre ce Pokémon. On dirait un Libégon bébé. Ça m'a tellement déprimé leur live Mario Party 7 parce que ça m'a tellement donné envie d'y jouer avec mes potes, putain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que genre, une fois toutes les deux semaines, avec les skates, on faisait des soirées Mario Party. Et du coup, on avait enchaîné genre, un coup c'était le 5, après c'était le 6, après le 7, après il y avait Brian qui ramenait sa Switch pour jouer au 10, enfin, putain. Grosse ambiance, quoi. Et du coup, ouais, ça m'a tellement donné envie d'y jouer, quoi. C'est tellement trop bien, Mario Party. C'est beaucoup trop bien. Oh, mais d'où t'as peur? Mais t'es... Mais Croison, mais tu m'énerves! Oh, putain! Oh, mais Croison, quoi! Croison, je crois que... Mais jamais j'arriverai à en faire quelque chose. Bon, de ce que j'en avais fait, c'était pas mal. Bon, après, c'est sûr que par rapport à ceux sur GameCube, je sais pas. En fait, j'ai pas joué assez hein, sur Switch, en vrai. Mais de ce que j'en ai fait, c'était pas mal. Hein. Il y a des petits modes en plus sympas. Oh, mais je vais encore mourir, putain. Ah oui, il y a éclat d'or. Putain, j'avais pas eu. Mais je trouve ça tellement... je sais pas si c'est le terme sous-côté, mais je trouve que c'est tellement un... Mais attends, mais comment je passe? Je trouve que c'est tellement un concept génial, enfin qui te... Mais vraiment, hein, qui est trop trop bien. Et en même temps, mais t'as l'impression que quand il y en a un qui sort... Y a pas grand monde qui en parle, quoi. Je trouve ça tellement triste. Enfin, je trouve que je sais pas le. Je sais pas, ça me donne l'impression que Nintendo ils investissent pas assez dans cette licence qui est pourtant trop géniale. Vous pensez que Twitch bug pour qu'il y ait personne comme ça qui parle dans le chat? Ah bonjour, je suis... Quoi? Je suis Xana. mais pourquoi? C'est donc ça la véritable forme de Xana? Incroyable. Ah bah en plus il a le symbole hein, sur son ventre, hein. Donc ouais, je pense que c'est Xana. Oh, je vais me faire ouvrir en deux, c'est Xana. Oh merde. Oh, mes coups critiques, t'es mort. Oh, mais cette RNG...
Les coups critiques dans la... qui ne fonctionnent pas pour moi. Moi, je me prends un coup critique et je me fais empoisonner, mais... ce jeu de mort, quoi. En vrai, j'ai tellement envie de faire une pause uranium parce que putain... Oh putain. Je trouve pas simple, quoi. Genre le même souci de coke moi. Bah ouais, je sais pas. Peut-être. Je vais juste perdre. Bon là, en même temps, je suis pas très combatif là. Xana a encore gagné. Non, 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 je ne laisserai pas gagner Xana. Calmons-nous. Putain, mais il me fait autant mal que... Pourquoi le jeu, il est dur et méchant comme ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ah, mais ça, c'est depuis le début qu'il n'y a pas d'anime pour... Il y a plein de trucs qui n'ont pas d'anime. Oh putain. Est-ce que j'ai plein de rappels ? J'en ai 6, ouais, c'est pas énorme. Est-ce qu'il faudrait mieux pas que je me laisse crever? C'est un peu horrible dit comme ça. Vas-y, je vais ressusciter toi et toi. Salut. Est-ce que je vais le tuer cette fois? Ça va? Ça va les balles graines là? On se fait plaise? Yes. Oh, j'ai tellement pas beaucoup de... Mais je suis intrigué par son type à lui, là. T'es quoi? T'es type quoi? Quel type de Pokémon est né? D'accord, juste plante. Oh, ils sont timides, mais peuvent être très affectueux. Il est dit qu'il serait apparenté au Pokémon dragon et oiseau. D'accord. Donc c'est un type plante qui est un oiseau dragon. Ah ouais. Oh, Écosphère. C'est bien ça. J'adore cette attaque dans l'animé. Il est trop mignon. Je suis sûr qu'il me serait plus utile que Croizon. C'est le mec. Le mec qui a une haine viscérale. Couronne jungle. Oula. En plus avec les bruits de la jungle, enfin les bruitages et tout, c'est très très sympa.
Ouais, mais après, j'ai déjà... J'ai déjà co-cancer qui est plante. Je sais pas si ça serait très intéressant. Oh, il évolue en salle. Oh, bah super. Bah voilà. Bah, en plus, ça me spoil à la gueule l'évolution. Et ça se trouve, il devient. Ça se trouve, il change de type. Il devient pas que plante. Ouais, peut-être qu'il est dragon plante. Hein. Je ne sais pas. C'est stylé, dragon plante. Est-ce qu'il y a déjà un dragon plante dans Pokémon? Lame d'air. 75, 60. Oula. Nique ta griffe. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis trop con. J'ai pas choisi... Oh putain, j'ai pas choisi la bonne personne. Enfin, le bon Pokémon. Oh là là, je suis un attardé mental. Mais d'où, si tu te gourres, ça t'utilise le tour quand même, c'est terrible. Ah oui, ouais, au vert pomme, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui, bon, Junko. Oui, bon, ouais, c'est vrai que... C'est vrai que notre coco, putain. C'est vrai que cette chose est un dragon. Ça n'a aucun sens. Ah, enfin un coup critique qui marche bien. Les gens sont bloqués, je pense, dans une... Ils sont bloqués dans une réplique. Je pense qu'ils sont bloqués dans une réplique du Café MKTV. Ils pensent être dans le vrai café, mais en fait, non. Et je ne m'inspire absolument pas de faits déjà existants. Pas du tout. De quoi? Pourquoi vous dites ça? Oula! T'as été virtualisé là-bas. Molette. Bah ouais, mais bon. Comment je fais, moi? Moi, je suis pas... Oh, putain. J'ai fait 3 pas. Mais en vrai, ça me perturbe beaucoup de pas connaître les Pokémon et du coup de pas percuter leur type. Enfin, surtout qu'il y a beaucoup de double types et je suis pas du tout fort là-dessus. Aïe! Yes! Oh, c'est tout!
toujours plus. Putain, mais on fait autant de dégâts alors que moi je suis super efficace. Je suis censé être super efficace. C'est quand même incroyable. Au revoir, monsieur. Harcèlement. La CT contient harcèlement. C'est quand même sacrément bizarre. Ton Pokémon, il apprend harcèlement. Du coup, il harcèle, voilà. Il harcèle le Pokémon adverse. Genre, il le suit jusque chez lui. Il suit sa dresseuse et tout, là. De façon un peu chelou. Ah! En tout cas, voilà, nouveau petit concept pour le KFMK TV où je stream pour une personne maintenant ou deux. Je fais des streams privés, voilà. Attends, c'est la... Oui, ok. Oh non, c'est une dresseuse, ça. Ah, Feuilly est loin encore, merde. Oh! Oh, c'est l'évolution finale de Hirombelle. Oh, j'aime bien le nom, c'est marrant. Oh la vache! Poggers! Elle est spéciale comme Pokémon. Attends, on voit plein de nouveaux dans cet épisode. Attends, mais si Feuilly c'est encore loin, je suis pas dans la merde, hein, parce que moi ma team elle est décimée. Mais il me fait tellement mal, putain. Quoi? Non mais... Coup critique qui vraiment... Oh putain, j'ai perdu. Oh là 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 là, mais les coups critiques, c'est tellement ça. C'est fréquent. Très fréquent. Putain. J'ai envie de faire autre chose. Merde. Ah, c'est relou. Alors si tu parles de celle qui est là sur la route actuellement, c'est un truc de rouge et bleu, c'est
Ah non, quoique non. Bah non. Bon, c'est 3G, mais non, c'est... Non, c'est Ruby Sapphire. Oh, je sais plus. Oh putain. Non, je crois que c'est Ruby Sapphire en fait. Non, je sais plus, putain. J'ai le doute maintenant. Non, mais non, c'est rouge et bleu. Putain, j'ai un doute. J'ai un gros doute. Oui, les Pokémon sauvages, on apprécie ça. Hop. Oh merde, c'est pas par là qu'il fallait aller. Ah putain. On s'éclate, hein. Mais... Coup critique, oh putain. Oh, la vie de ta mère, la vie de ta mère le jeu, la vie de ta mère. Franchement, ta mère le jeu. De ouf ta mère. En courir, courir. Oh, non mais là le jeu il me rend ouf. Bon, bien évidemment que ça a pas fait beaucoup de dégâts, mais dans le principe, tu vois, genre, je devrais pas recevoir autant de... Bon, encore un coup critique de ma part, mais ça n'a pas de sens. Pokémon version coup critique, quoi. Dites-le tout de suite. Ça a pas de sens qu'il y ait autant de coups critiques qui pop. S'éclate. Simulode s'éclate tout de suite, c'était le gros. C'est la fin du grand journal, on s'éclate. Les emojis. Ouais, bah faudra que je réfléchisse à le faire. Les emojis Gigi, c'est Gigi Gauthier. Quoi? Ah, les emojis Gigi. J'avais pas compris. En vrai, je pense que je vais pas faire un épisode trop long. Hein, oh putain. Oui. Ah
Moketo, tu as essayé de te créer un compte PayPal pour le... Oui, oui, mais j'en ai déjà un. Hein. J'en ai un, je l'ai juste retiré. Mais il faudrait que je le remette. Je l'avais enlevé un moment, parce que ça me dérangeait un peu. Ah, il est type eau insecte, non? Ah non. Oh mais les sauvages quoi. Oh les sauvages ils me rendent ouf quoi, t'arrêter toutes les deux secondes. Au secours. Pourquoi le jeu a fait ça? Mais ouais, je pense que je vais aller après continuer FF7. Je me suis dit, hey, j'ai pas fait de live ce week-end. Oh putain, oh là là. C'est un cauchemar cet endroit. Bah, pas forcément partie professionnelle. Enfin, ça dépend, je sais pas. L'énergie. Revanche. Ok. J'avais pas vu que j'avais aussi peu de vie. Ils sont cons les gens. Enfin cons. Je vois des gens qui s'étonnent que... Enfin je vois Combini qui s'étonne que... Que Harry Potter hier était diffusé en accéléré. Mais c'est ça pour plein de programmes en fait. Enfin c'est pas que Harry Potter. Enfin, ils ont déjà fait ça plein de fois. C'est... Oui, mais c'est pas... C'est en... Oh putain. C'est en 1.03 ou 1.05, un truc comme ça, mais c'est pas de beaucoup. Mais hier, oui, il était diffusé en accéléré. Enfin, ça s'entendait sur les voix, quoi. Les personnages avaient des voix un petit peu plus aiguës que la normale. Un tout petit peu plus aiguës. Ça s'entend un peu si tu connais le film assez par cœur. Mais c'est parce que le film est un peu accéléré, mais ça, mais ils le font sur plein de... sur séries et pas mal de films. Parce que c'est quand il y en a qui... quand un programme dure trop longtemps, bah ils accélèrent un petit peu
les programmes. Du coup, ça me fait marrer que s'étonne en mode « Oh, Harry Potter, hier, il a été accéléré et tout. » Bah ouais, mais plein de séries où ils ont fait ça aussi. Ouais, bah ouais, mais c'est parce que oui, c'est un peu, c'était un peu accéléré. Oh putain. Les parfums de Kalos sont les meilleurs. Ah ouais. Oh Chloé, bébé. Putain, ma team elle est décimée. Qu'est-ce que ça me dit rien, The Last of Us 2. Pourtant, je suis curieux. Hein. Et en vrai, enfin, en fait, The Last of Us, c'est terrible parce que si je veux me le faire, c'est vraiment pour l'histoire, en fait. Pour savoir, juste, voilà, je suis curieux de savoir c'est quoi la suite. Et en même temps, l'excès de violence à tout va et les gameplays me font tellement pas envie. Déjà que l'univers de base fait pas envie. Mais le truc qui me fait chier, c'est que c'est tellement une œuvre à histoire que j'ai tellement peur de me faire spoiler d'ici que je le fasse. Déjà qu'il a fuité de fou. J'avoue, c'est quand même fou. C'est une menace! C'est une menace! Putain. Mais dire que tout le long, c'est même pas Folleuil, quoi. Il est craqué de ouf, mais c'est même pas lui. C'est ça qui me rend ouf dans les films, c'est que genre c'est son film, mais en fait, non, tu le vois pas de tout le film. Mais oui, c'est l'imposteur tout le long, Zodiac. C'est d'ailleurs un truc que m'a fait remarquer. C'est un truc que m'a fait remarquer Draco hier sur Discord. J'y avais jamais pensé. Mais quand Folleuil il arrive, t'as le ciel, t'as le plafond de la salle qui se met à s'agiter et du coup il est là à jeter un sort sur le ciel qui s'agitait parce que le ciel détecte un danger. Donc oui, tout le long c'est le faux. Du coup ouais, dans les films en soi il est très peu présent, Folleuil. Oh ça y est, on est sorti. Oscu. C'est une menace. C'est une menace. Est-ce que c'est un élève? En principe, c'est une fouine. Qu'est-ce que c'est que cette OST? Mais quel enfer, c'est quoi cet endroit? Alors attention, il n'y a pas d'électricité ici. Hein. Quel enfer. Ouais, c'est un peu ça, j'avoue. Bonjour. Tico est un maître des Pokémon feu. Alors il se peut que pour s'entraîner, il ait pénétré au niveau profond de l'enfer meilleur.
Ah, je parie que c'est là où il y avait les insectes qui barraient la route. Alors par contre, si c'est un type feu, c'est compliqué, hein, parce que moi, j'ai pas de type eau. À part Croizon, mais bon, il sert à rien. Ah, c'est ça le centre Pokémon, d'accord. Feuilly n'est pas connecté à internet, donc cette auberge n'a pas de PC. Zut, j'ai laissé mon... Oh, le... oh là là, oh, mais c'est horrible. Oh, c'est hyper pervers, il n'y a pas de PC, quoi. Oh la vache. En vrai, c'est marrant. Parce que c'est vrai que dans Pokémon, où que tu ailles, il y a un PC, tu vois. Tu peux être dans la montagne et tout. Bientôt, on ira dans l'espace dans Pokémon et tu auras un PC pour transférer des Pokémon. Par contre, je suis moyen chaud d'y retourner, là, je vous avoue. Putain, je me disais que c'était... Bah oui, c'est Cédric. C'est Twilight, bien sûr. Je pense que je vais m'arrêter là, je vais aller un peu continuer FF7, un peu streamer, un peu traîner et tout. Ouais, non, en vrai je suis moyen mood Uranium ce soir. Je commence à saturer un petit peu du jeu. Pas qu'il est pas bien, mais c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, merci, hein, minuscule les Zodiacs, de m'avoir accompagné dans cette mésaventure. Sans vous, j'aurais été tout seul. Ça aurait été bien triste. J'aurais parlé dans le vide, tel un let's player de l'ancienne époque Dailymotion, si ce n'est pas magnifique. Allez, je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Tchou!